Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo de Kingdom Hearts. Et aujourd'hui, j'ai encore farm. Voilà, j'ai encore farm. Il faut que je vous montre ce que j'ai farm. Bah, en fait, vous voyez là actuellement le niveau. C'est un petit peu abusé, je sais, mais... j'avoue que je savais pas trop si je devais farm ou non, très honnêtement. Donc, je l'ai quand même fait. Et j'avais aussi essayé de récupérer le multi-XP, ça m'a pris quand même pas mal de temps, et je n'ai pas réussi, parce que je pense que les gens qui connaissent le jeu savent pourquoi. Parce qu'en fait, il me manque un truc, donc dans la magie, mais il faut le rafale. La dernière amélioration du rafale, et je ne l'ai pas, parce que apparemment, elle donnerait des dégâts en plus, et pour avoir un item, il faut pouvoir tout simplement... Je sais pas s'il faut que je parle à Cid. Ouais. Et du coup, il me fallait une amélioration. Et du coup, c'était impossible. Et du coup, je pouvais pas. Du coup, j'ai un petit peu farm à la main, quoi, à l'ancienne, tout simplement. Et ce fut assez rapide, très honnêtement, parce que j'ai trouvé le meilleur endroit pour farm, qui était dans le couloir entre au niveau des chambres vertes et rouges. Genre j'ai passé en boucle en fait. Un nouveau trou cosmique s'est ouvert. Je me demande où il mène. On détecte une étrange réaction magique dans chaque monde. On devrait peut-être les revisiter pour voir ça de plus près. Alors j'avais revisité le pays des merveilles. Et après j'ai abandonné je crois. Du coup on va foncer par là. Et maintenant c'est vrai que maintenant on a des améliorations de malade. Donc ça devrait être... les doigts dans le nez, très honnêtement. Ça devrait être très facile. Très très facile même. Voilà, on va passer par là et ça devrait nous ramener directement là-bas. Je ne sais pas si c'est le dernier tournage pour le coup, étant donné que... on arrive vraiment à la fin là pour le coup. Ah, j'ai raté les spéciaux. Dommage. Ah, c'est vrai que je peux récupérer les objets avec... Il y a trop de trucs, hein. Il me faudrait une troisième main là. Mais j'ai une troisième main, non je rigole. Oubliez ce que je viens de dire. Du coup je pense que c'est le truc le plus long. De souvenir c'était super long, mais en fait, étant donné que mon vaisseau il est assez rapide. Et que je peux booster, j'avoue que je ne sais pas. Par contre, excusez-moi si ma voix est un peu cassée, très honnêtement. Parce que je suis assez fatigué. J'ai dû faire beaucoup de choses pour les cours actuellement. Il y avait beaucoup de rendus finaux. Et j'ai très peu dormi ces derniers temps. Bon, cette nuit-là, j'ai pas mal dormi, ça va, mais je me suis prévu une pause étant donné que j'ai vraiment fait que ça, donc il faut que je puisse survivre quand même. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas retourner sur Kingdom Hearts. Déjà qu'en plus, je me souviens pendant le premier confinement, j'avais totalement abandonné les vidéos. Là, on arrive vers la fin du premier confinement, étant donné que ça a été annoncé dernièrement... Enfin, du second confinement, pardon. Si vous voulez un repère au niveau du temps, par exemple. Je crois qu'on est le 10 décembre ou un truc comme ça, 2020. À l'heure où je tourne. Pour vous dire à quel point la durée entre le moment où cette vidéo est mise en ligne et le moment où le moment où je tourne et le moment où la vidéo est mise en ligne. Ah ça je me souviens ça par contre je crois. Par contre du coup un truc que je ne sais pas c'est que je ne sais pas si... Purée ça a été rapide. 2 minutes ça va. Ça va. Je ne sais pas si je ferai vraiment tout de suite... l'autre Kingdom Hearts en fait. Je sais pas du tout. J'essaierai mais bon. Toujours dans le château. Contre son gré? Non, je crois qu'elle voulait rester là-bas. Les autres princesses y sont aussi. Je me demande pourquoi. Allons leur demander. Tu pourrais avoir besoin de ma force. Je t'accompagne. Sans façon, ça va. Merci la bête. Du coup, on va passer tranquillement. Et du coup, très honnêtement, je ne sais pas si j'arriverai à faire Kingdom Hearts Chain of Memories tout de suite. J'essaierai de faire mon mieux pour, très honnêtement. Je vous jure que pour le premier confinement, comme je l'ai dit,
Tiens, il y a une marque Trio, on va la faire. Pour le premier confinement, j'avais pas fait du tout de vidéos, j'avais totalement abandonné les vidéos. Mais bon, il y avait des vidéos qui sortaient parce que je les avais pré-publiées à l'avance, mais j'en faisais plus du tout. Du coup, là, j'ai... D'habitude, ce que je fais quand je fais des vidéos, c'est que j'ai genre 2-3 let's play en même temps. Là, j'en fais qu'un seul, en fait, et c'est un qui est de 45 minutes. Très honnêtement, vu que je faisais... je sais même pas si j'ai besoin de les attaquer, très honnêtement. Je battais des ennemis qui faisaient... beaucoup. On va dire ça comme ça. On va directement y aller, hein, tout simplement. Pas se prendre la tête non plus. Faut que je monte? Je sais plus où il faut passer. C'est le bazar, ce truc. Ça va. C'est pas la bonne direction, mais ça va. Oh purée. Non mais vous, je vous roule dessus, c'est bon. Sauf s'il donne plus d'expérience par contre. Non, il donne le même nombre d'expérience. Parce qu'en fait, du coup, dans la pièce que je parlais, en fait, il y avait... il y en avait 3 de ceux-là et 4 sorciers, je crois. Et du coup, en tout, à chaque fois qu'on rentrait dedans, ça donnait 1100 expérience minimum. Si on compte pas les... vous savez, les coups où on contre-attaque, comme je viens de le faire, où ça fait un coup bonus. Du coup, ça faisait un peu plus de 1200 points. Du coup, si vous êtes vers la fin du jeu et que vous avez fait ce passage-là, vous pouvez y aller, je vous conseille vraiment. Faut que j'aille où? Faut pas que je tombe, faut que je fasse gaffe. Mais je sais plus s'il faut... Je crois qu'il faut activer celui-là. Ouh. C'est bon. Je suppose, je crois. Et du coup, oui... on va dire que ça détend vraiment. De pas faire le jeu trop dur, même si j'ai beaucoup farm quand même. Dans les moments où j'avais genre par exemple des rendus Sony Vegas où je ne pouvais pas. Je pouvais plus travailler. Ou des moments où la pente. Où il y a des trucs qui séchaient, tout simplement. Je farmais. Plutôt que d'avancer ma partie personnelle de Kingdom Hearts Chain of Memories. J'imagine. Parce que je m'étais dit non, je vais arrêter de trop farm et essayer d'avancer dans l'aventure, mais au final. Après, je connais le contenu général de Chain of Memories. Enfin, la moitié, parce que je vais pas en parler, Mais du coup, ouais, j'ai l'impression de pas trop avoir avancé dans, entre guillemets, les let's play, mais bon, en général, c'était plus des... Il y avait beaucoup de montage aussi. Donc j'en ai beaucoup profité pour faire des montages. Par contre, ce let's play là j'ai presque pas fait de montage, hein, honnêtement. Honnêtement, pour le moment. J'ai plus joué que fait de montage. Mais bon, après, il y avait beaucoup de rendus entre temps, donc je me dis, je vais sûrement faire tout le let's play au montage et après, je ferai les rendus d'une traite. Ce qui risque de durer assez longtemps, quand j'y pense, d'ailleurs. Non, la bouboule! Non! Elle est là! Reviens, s'il te plaît! Non. Ouais, du coup... je crois qu'il va y avoir d'autres ennemis avant de descendre, non? Sauf si je me trompe. Je crois. C'est dommage qu'on peut pas se téléporter, quoi. D'ailleurs, quand cette vidéo sortira, on le saura déjà, hein, mais... Ce soir, il y a les Game Awards de 2020, je sais même plus quelle année on est. Et apparemment, ils ont prévu d'annoncer le prochain personnage du DLC de Smash Bros. Et il y en a beaucoup qui demandent Sora. Moi, bon, personnellement, je demande Rayman. Hein. je suis pas trop team Sora, même si ça serait très cool, hein, très honnêtement. Mais... certains savent que Rayman c'est un peu mon personnage du cœur que je voulais vraiment. Genre je me suis fait avoir par le fake d'il y a quelques années sur je crois avant la sortie de Smash Wii U.
D'ailleurs, ce montage qui était très bien fait, du coup. Je pense que les gens n'étaient pas prêts à cette époque-là, très honnêtement. Pour ce genre de montage de qualité, en fait. Parce qu'il y avait déjà ce genre de choses avec Sonic sur Smash Bros. Melee, mais ça se voyait, en fait. Mais moi aussi, j'y ai cru à un moment donné. Hein. Mais Sonic, au final, il est dans le jeu, pas Rayman. Et il y en a beaucoup qui parlent de Sora, en fait, parce qu'il y a énormément de débats à cause de Disney, en fait. Parce que, ouais, il faudrait forcément mettre des personnages de Disney, parce que, ben, le jeu est énormément mis en avant avec Disney, ce qui est vrai, du coup, parce que, ben, Donald et Dingo sont... Ben, pour Sora, c'est vraiment les compagnons de ce que je vois du jeu, actuellement. Mais il y en a beaucoup qui parlent de ça, mais en vrai... Bon, je connais pas tout le lore non plus hein, de Kingdom Hearts, hein, vous le savez. Mais... Comment dire que je pense que... Faut que je monte ou faut que je passe par la porte? Je vais voir. Par contre, je vais mourir, là. Ouais, merci de m'avoir heal. Alors que je peux compter sur tout le monde. Ah bah tiens. On va pouvoir arrêter de parler de Smash Bros. Sora, dépêche-toi, les ténèbres se répandent par la serrure. Ah, ok. Faites notre possible pour contenir les ténèbres. Vous êtes en ronde. Hein. J'ignore combien de temps on pourra résister. Mais vous faites rien. Comptons sur toi, maître de la Keyblade. Nous ferons de notre mieux. Mais vous êtes en train de rien faire. Ah, il y avait les gamines et les plus grandes séparées. Nous t'attendions, maître de la Keyblade. Où est Ansem? C'est volatilisé, ok. J'ai eu un coup de barre là. Coup de fatigue. Je vais mettre une sauvegarde sur la 9. Techniquement, on peut revenir aux premières sauvegardes à peu près. Hein. On va éviter. Attendez, j'espère que. Ouais, non, c'est bon. Pas que ça soit mis sur le premier et que ça me lance la mauvaise partie, quoi, tout simplement. Ça fera super peur. Et du coup, il y en a beaucoup qui parlent de Sora qui pourrait être éventuellement dans Smash. Mais le problème, c'est que, ben... en vrai, moi, je pense qu'il peut... Bon, c'est pas le personnage que je veux forcément, hein, même si je trouve que ça serait cool hein, qu'il soit dedans. Hein, mais je pense que c'est possible qu'il y ait sans les personnages de Disney. Mais je pense qu'étant donné que le personnage appartient... Entre guillemets, à la fois à Square Enix et à la fois à Disney, ben, je pense que Disney est celui qui poserait le plus problème là-dedans, en fait, je pense. Est-ce que je peux aller m'occuper de ça? Ah, d'accord. Il a changé de couleur. Avant, il était bleu. Oula. Ah oui, ça, c'est une des autres trucs que j'ai eu, j'imagine. Est-ce que je vais me prendre un coup, là, par contre, pour ce truc? Le pauvre, il est en train de se faire enchaîner. Il a rien demandé. Si ça se trouve, il était juste venu demander un Big Mac. J'en sais rien, mais... Aïe. Oh, ça c'est cool ça par contre. Et du coup oui, en vrai il y a énorme. Je pense que le contenu de si Sora devait être dans le jeu, très honnêtement, ça serait. Je pense qu'il serait vraiment limité un peu comme avec Cloud. Bon pas autant, mais il y a énormément de contenu qui est exclusif à la série Kingdom Hearts qui n'inclut pas Disney. Donc les gens oublient de réfléchir à ça souvent, je trouve. C'est dommage. Joyau Oméga. Y'a pas le joyau Gamma? Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it.
Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu avec le vaisseau de Sid. Nous avons passé notre enfance ici. On voulait revoir cet endroit. Il est dans un sale état. Pire que ce que je ne le craignais. Ça n'a plus rien à voir. Ne t'en fais pas. Si nous battons en Sème, tout redeviendra comme avant. Même chose pour votre île. C'est vrai? Mais ça veut aussi dire qu'on ne se verra plus. Lorsque les mondes renaîtront, ils seront à nouveau séparés. Chacun retournera d'où il est venu. Alors, je viendrai vous voir avec le vaisseau Gimmy. Ah, c'est pas si simple. Avant, tu ne savais rien des autres mondes, pas vrai? Car tous les mondes étaient isolés. Des murs infranchissables les séparaient. L'espace. Les sans-cœurs ont détruit ces parois. Mais si les mondes renaissent, les murs apparaîtront. Ce qui rendra les vaisseaux Gimmy inutilisables. Et les titans ne pourront pas passer. Tu veux donc dire que jamais nous ne... We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Hurry! Come and close the keyhole! Sora, good luck. Merci, je crois qu'il y a... Oula, j'ai eu flou d'un coup. C'est la fatigue. Au cœur des ténèbres. C'est là qu'Ansem a dû se rendre. Prenons le vaisseau Gimmy et partons affronter Ansem et les sans-cœurs. Nous trouvons ce pouvoir pour t'aider dans ton combat. Ouh. Seul ton courage fera renaître nos mondes. Une fois les ténèbres disparues, tout devrait revenir à son état normal. Vous croyez que Kairi retournera sur l'île? Certainement, et toi aussi. Je croyais que c'était Dingo qui parlait. J'ai cru que c'était Dingo. Non, c'est pas vraiment Dingo. Vaisseau. Alors, il paraît qu'il y a des tournois au Colisée. Bah, attention, c'est bien plus dangereux qu'avant. Ouais, et c'est de ce tournoi d'ailleurs que je parlais tout à l'heure, qui offrait un cadeau quoi. Alors ça devrait être du gâteau très honnêtement. Je vais utiliser tous mes doigts. J'utilise ma manette d'une manière très, comment dire, c'est pas très légal. C'est très bizarre la manière que je tiens cette manette. Hein. Mais bon, j'ai l'habitude. On va dire ça comme ça. Du coup, on arrive sur la fin du jeu. Avec un peu de chance, je termine le jeu se termine ce soir. Enfin, pas pour vous, hein, mais pour moi. Je peux le casser. Si ça se trouve, il donne plein de cadeaux. Oula, par contre... Voilà, c'est bon, j'ai tout récupéré. J'ai eu peur, hein. Je l'ai cassé. Oh, j'ai reçu un truc qui s'appelle Alexandre. Je sais pas qu'est-ce que c'est, Alexandre, mais... J'espère que c'était un truc rare. De toute façon, il me servira pas, donc...
Peut-être sauvegarder par contre, parce que j'avoue que là. Bon, on va sauvegarder là-dessus. Parce que là, ça devient un petit peu tendu. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? You betcha! But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us? Well, this is a Heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know that we will. Yeah, you're right. I'll return this. I promise. Dingo qui sauve la situation et qui calme un peu les choses. Qu'est-ce que... Ah oui! Ouais bah. Oula, eux par contre ils font super mal. Je vais me retrouver à me dire que j'ai pas assez farm. Mais non, mais là c'était violent quand même. Hein. Oula. J'avoue que j'ai reçu un objet et je l'ai même pas assigné, on va dire ça comme ça. Faudrait peut-être que je me heal là actuellement. Je suis à la moitié de ma vie. Après tout, de toute façon, vu tous les terres que j'ai, ça devrait aller, honnêtement. Reviens, s'il te plaît, reviens. Mais voilà, purée, trois fois. Je peux avoir le coffre? Petit coffre? Non, même pas. Ah, il est là. Bout de mitril. Hmm. D'accord, donc je peux prévoir le fait qu'il y a les bouboules, j'imagine. Attendez, il y a une histoire de... Ah oui, j'allais dire. Il y a une histoire de... En fait, bah, du coup, comme vous avez vu, il y a des coffres qui sont piégés, en fait. C'est pour nous arnaquer, quoi. J'imagine que pour un speedrunner, il va pas ouvrir les coffres. Hein. De toute façon, un speedrunner sait ce qu'il fait. Hein. J'imagine, en général. Non, un speedrunner reste un être humain. Hein. Sauf certains. Certains, c'était... Certains speedrunners ne sont pas des êtres vivants. On va se remettre des vies quand même. Mais non, mais en fait, c'est Donald qui prend tout parce qu'il a l'attraction. On va foncer sur chaque coffre, hein, j'imagine. De toute façon, il y a un mur invisible, on est obligé de passer par là, je crois. Et du coup, par contre, je voulais regarder. Joyeux Omega. Ouais. Ah! Il me donne plus d'attaque. On va prendre ça. Voilà. C'est pénible de pas pouvoir voir explicitement où est-ce qu'on va en fait. Oula. Oh purée, il est trop classe. Avec des flammes bleues et tout là. C'est censé être un ennemi qui peut nous tuer facilement. Et moi, bah, je le regarde à sa couleur bleue. C'est vraiment pas ce que ça va donner, très honnêtement. On va voir ce que ça... Je crois que j'ai jamais fait un let's play qui est censé être aussi long, aussi rapidement. C'est très français ce que je viens de dire, mais je me suis compris, on va dire ça comme ça. Je mets la défense au cas où, hein. Juste pour qu'on pas qu'on se demande. Enfin, il est super grand par contre, hein. J'arrive pas à l'atteindre. Je suis obligé de grimper sur son cul.
Il bouge trop par contre. J'aime pas ce passage du jeu. En fait, je l'aime pas parce que je suis pas. J'ai juste pas l'habitude d'y être en fait. Mais en fait, pendant tout le jeu, j'ai sorti que. Que j'aime pas ce passage du jeu dans tous les mondes en fait. Sauf les premiers. Enfin, si, même les premiers en vrai. J'ai juste pas dit ça pour le Colisée. Et... Je dois aller où? Ça, c'est de là d'où je reviens. Je dois aller par là, je crois. Il y a un coffre. Oh non, je me suis fait attaquer par une boule. Oh, des anges. Oh, ça c'est cool ça par contre. Parce que ça me... Après j'allais dire que... ouais, ça me... Ça me sauve de... Ouais, il donne beaucoup d'expérience quand même. Je sais pas si c'est des combats scriptés en vrai. Parce que si ça se trouve c'est scripté, on peut pas les passer en fait. Enfin, je peux même pas faire de roulade. Je pense que c'est scripté, hein, très honnêtement. Vu qu'il y avait le coffre qui est juste là, en fait. Qui va m'agresser, j'en suis sûr. Ah non. Celui-là, il va m'agresser. Ouais, ouais. C'est sûr que si je le dis pour tous les coffres. Oula, par contre... Ça va. Donald l'a sauvé. Ils font vraiment super peur, hein, eux. Pas parce qu'ils sont... Pas parce qu'ils sont noirs, hein, c'est juste qu'ils sont... Ils sont forts, en fait, et musclés. Ça me perturbe. Je n'ai pas l'habitude de voir du muscle, j'imagine. C'est sûr que je ne suis pas très musclé. On va dire ça comme ça. Jolie pierre. Oh. Mais ça sert à quoi, les jolies pierres? Je crois que ça doit être pour crafter des choses, à mon avis. Pavillon. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas? Allez, let's go. Faut peut-être éviter d'appuyer sur pause hein, quand on dit let's go. Sûr qu'il y a un combat là-dedans. Prévisible. Oh là, oula, oula. C'est pas... Mon dieu. Je crois que j'ai bien fait quand même de farm au final. Parce que quand je vois mes points de vie là, c'est... C'est ouf. Non, non, j'ai bien fait finalement. Parce que j'ai écouté un ami qui m'a dit... ouais, oula. Ouais, continue de farmer si c'est mieux. Je fais, ok. Là, je suis niveau... Il y a des 100 coeurs normaux. Ok. A voir s'ils vont pas commencer à faire plusieurs vagues. J'ai pas l'impression qu'ils font plusieurs vagues. Parce qu'il y a un endroit en fait, quand je suis revenu à... Comment ça s'appelle? Au monde d'Alice au pays des merveilles. Il y en avait un, du coup. Oh, un bonus PC, je vais me le mettre, c'est... Mon objet Sora. Ah, mal. Sora. Est-ce que je peux m'ajouter du coup de nouvelles compétences maintenant? Vortex. Permet d'effectuer une puissante attaque rotative sur un ennemi à courte distance. Allez. Du coup, je disais donc, oui, il y avait, du coup, en fait, il y avait une vague de 100 coeurs, en fait. De 100 coeurs normaux, en fait. Et quand on les battait, il y avait 3 vagues, en fait. Oula. Oula, je l'ai pas vu.
Il était si gros. Je me suis rendu compte de ma barre de vie. Et du coup, oui, battre les trois vagues de ces 100 cœurs, en fait, donnait des gros 100 cœurs, mais genre vraiment très gros. Et les battre, le battre, enfin tous les battre en fait, sans se faire toucher une seule fois, nous donnait un objet rare. Et c'était un semi-boss secret, on va dire ça comme ça. Et il donnait un objet qui permettait donc de faire un bonus, je crois un truc pour XP plus quoi en fait. Un boost d'XP en fait. Et c'était un des objets que feront au cœur du danger et on le trouvera. C'est beau ce que tu dis, Donald. Mais du coup, oui, il fallait fallait vraiment... Bon, on va plonger. Hein. On va plonger au niveau du point de sauvegarde. Et on va sauvegarder par la même occasion. Et du coup, faire ça, c'était un des trucs qui permettait de faire ce bonus d'XP. Mais j'étais vite bloqué parce qu'il y en avait un qui demandait en fait de frapper beaucoup de fois et c'était trop dur pour moi en fait, parce que ben mon niveau était pas assez haut et j'avais pas les objets qu'il me fallait en fait, tout simplement quoi. Je sais pas si on est obligé de faire ça honnêtement, mais je vais le faire quand même. J'ai pas envie de me faire d'avoir une mauvaise surprise et de me... Et je vais ramasser le truc, voilà. Je ne sais pas si ça me servira à quelque chose, parce que bon, j'ai quand même gardé mes sauvegardes, hein, bien évidemment, même... je vais pas faire comme le premier Let's Play où j'ai supprimé ma sauvegarde par erreur. Alors que j'avais fini le jeu à 100%. Bon, presque 100%, j'avais juste pas fait Ultima. Mais j'avais fait les 101 dames... si, je crois que j'avais fait Ultima dessus. Je crois que j'avais pas fait en Let's Play, mais j'avais fait Ultima. J'avais fait Ultima, j'avais tout fait. Et j'ai supprimé ma sauvegarde. Nice, j'imagine. Par contre, je rêve où t'es plus fort, toi. Ça va, là? T'as cru que c'était quoi, là? J'étais en train d'essayer de regarder les détails pour savoir si c'était ressemblant au... Oh! Plus de PC, c'est cool, ça. En plus, je viens d'en avoir, quoi. Cette arnaque. Je vais voir ce qui s'est passé. Mes chats ont fait tomber des barres en métal. Et ça m'a fait peur, sur le moment. Rock d'audace. Oh, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais bon. Par contre, j'avoue, j'ai absolument pas attraction. Du coup, en fait, à chaque fois, je reçois jamais les... Ça fait quelque chose d'avoir fait ça. Je sais pas. Pourtant, j'ai vaincu tout le monde. Mais c'est encore rose. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Peut-être avec ça? Non. Ça se trouve, j'ai tout fait et je suis juste nul. Hein. Ça se trouve, c'est juste un endroit pour XP un peu. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va quand même rentrer. Hein. Mais du coup, oui, je sais plus ce que je disais. Ah oui, Ultima. Oui, c'est dommage parce que du coup, j'ai plus ma partie du premier Let's Play sur le jeu PS2. Ce qui est vraiment dommage. Mais du coup, je sais pas encore si je ferai le Chain of Memory pour le moment. Pour le moment, je le ferai. Pour le moment. Mais si je débute et que je me rends compte que je peux pas le terminer pour des soucis
technique, hein, bien évidemment. Par exemple, le fait que je n'aurais plus l'accès à la PlayStation, tout simplement. Bah, je comprends pas pourquoi c'est... Mais j'ai jamais refait les mondes de Winnie. Oh, c'est pas grave, j'imagine. C'était pas obligatoire, mais... Je pense pas que je les ferais. Ah, je voulais lui renvoyer. Parce que renvoyer le... la boule de feu avec... une parade. Je crois que c'est une parade. Ou un contre. Je sais plus. Mais ça donnait 100 d'expérience de le faire. C'est pas grave, hein. J'ai quand même... J'ai quand même farm. Hein. Si j'avais pas farm, ça aurait été encore plus dur. Hein. Donc bon... Mais, oh, ça va, là, de nous donner des claques, là. Du coup, là, on voit la coupe... on voit la coupe qu'on n'a pas fait. Qui a... 50. Il y a 50 combats à faire dedans. Et elle donne un rafale qui est vraiment cool, mais... Malheureusement, je ne vais pas le faire, très honnêtement. Réussir à clôturer ce let's play, c'est déjà quelque chose, très honnêtement. J'aimerais pouvoir passer plus de temps, honnêtement, mais... Ce n'est malheureusement pas l'énergie à le faire, hein. Vous m'excuserez. Oh, glacial. Non, très honnêtement, vraiment, faire des let's play à 100%, ça m'a démotivé sur beaucoup de points. Et étant donné que maintenant, ben, je suis vraiment crevé sur... très facilement. J'ai plus trop envie de faire les let's play à 100% en général. Même un let's play de Sonic, je fais plus à 100% parce que c'est fastidieux. Ça va, c'est pas des singettes. Qu'on appelle la cheveux. Des singettes. J'avoue que c'est quoi le nom de la femelle du singe? Et le nom du bébé singe, d'ailleurs, aussi. Par la même occasion. Oh, purée, une singette. Après, il y en a qui disaient que Sora était pas agile dans... Mais on se fait voler de l'argent? De toute façon, on en a même plus besoin. J'avoue que j'aurais dû acheter des trucs avant de... d'aller ici. J'imagine que... Oula. Non mais... Est-ce que je viens de lui renvoyer son truc? Je savais même pas que c'était possible. Est-ce que je fermais avec des singettes, du coup? Ah oui, personne me dit qu'est-ce que c'est la femelle du singe. Moi, je dis singette. Hein. On arrive bientôt à la fin. De la vidéo. Ça fera pile poil assez pour aller... Par contre, du coup, j'hésite encore à aller... Je sais que j'ai dit que j'irais pas faire le monde de Winnie, mais j'hésite à y aller encore. Faut aller par là. J'ai pas pris le coffre qu'il y avait dedans. C'est pas grave au pire. Par contre, je devais regarder si j'avais des compétences de libre. Ah non, ça demande 4. Bon bah... J'ai pas autre chose. Ouais, mais attraction, ça sert un peu à rien. Si je trouve un autre PC plus, ça devrait aller. J'imagine. Oh purée, le retour. Souvent on va me dire que j'utilise des compétences qui sont inutiles. Et c'est vrai. Je crois. Mais je choisis ce que je veux. Vous n'avez pas à choisir ma place.
chacun a sa manière de jouer bien à lui. C'est pour ça que c'est cool vraiment. Parce que il y a beaucoup de tutos en général. Et malheureusement, ben, le gameplay peut vraiment différer en fonction de notre manière de jouer. Parce qu'il y a des joueurs qui vont jouer bourrin et il y en a d'autres qui vont jouer intelligemment. Je ne suis pas le genre de personne qui joue intelligemment. Voyez Pokémon. Pokémon, je suis du genre à faire... J'aime trop le starter, alors du coup, je veux qu'il gagne la ligue tout seul. Et qu'il aille faire... combat de type O. Ah non, mais... Que de la souffrance pour mon Pokémon, quand même. Ah tiens, bonus PC. Juste quand j'en demandais, hein. Oh, en finale, on va quand même pouvoir... mettre Ragnarok. J'aime beaucoup cette attaque en fait. C'est par là. Est-ce qu'on arrive bientôt? C'est quand qu'on arrive? Oula. Oh, j'ai eu peur. C'est l'instant où ils ont eu plus de budget, du coup ils ont changé les costumes à chaque fois. Bon, après, c'est sûr que si on changeait tout le temps les costumes. C'est un petit peu problématique. Ah, non, c'est le coffre, ça. Il est où, l'ennemi? Voilà. Ça va, en fait, j'ai dit que c'était dur, mais en vrai, je suis toujours pas mort de tout le let's play. Après, je vais pas faire ce truc à chaque série non plus, hein, le fait d'essayer de survivre... sans se faire tuer. Je vais essayer, hein, bien évidemment, parce que j'aime pas mourir, hein, ça fait perdre du temps, quoi. Mais voilà, quoi. Ça fait... trop bien de faire Ragnarok pour ne toucher personne. Ah, je le ferai sur un boss, quoi. Comment ça, il est censé y avoir des boss? Bah oui. Bon, Donald, il vole. Je sais même pas ce que j'ai eu. J'ai pas vu. Je peux même pas regarder ce que j'ai récupéré. C'est bête. C'est stupide. Mmh. Ah, je crois qu'ils apparaissent. Où est-ce qu'ils sont? Eh, mais je peux voler, non? Ah bah non, je peux pas voler. Je pensais que je pouvais voler. Cette porte s'est fermée tellement bizarrement que ça m'a surpris. Par contre, du coup, je suis tout seul. J'ai l'habitude, hein. Ça va. Ils vont encore me fermer la porte, là. Non, ça va. Non, ça va. Écu vaillant. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, je l'ai eu quand, ça? Genre, c'est beaucoup plus fort. Bah, fais-toi plaisir, Dingo, hein, écoute. Hein. Je sais même pas quand je l'ai eu, ce truc. Ah, vous pourrez me demander, même moi je sais pas. Par contre, comment qu'on sort? Non, mais c'est réparé. Est-ce qu'il y a une sortie quelconque? Je sais pas, hein. Je suis un peu paumé là pour le coup. Ah d'accord, fallait retourner s'enfermer dans sa chambre. Quel est cet endroit? Ah ouais, c'est le monde de Wing. Que je suis à peine allé, que je n'ai même pas fini. Je sais pas du tout si je vais le faire. Très honnêtement. J'avoue que je suis pas au top de ma forme, donc j'hésite. On n'est pas allé là. Vent déchaîné. Oh. Ça servira probablement à rien vu que je vais pas retourner. Je vais pas y retourner.
Ok. Qu'est-ce que... Ô enfant des ténèbres, né d'un cœur perdu, dévore tous les mondes et conduis-les à leur fin. Rassemblez tous les cœurs en un seul et supprimez le cœur. Et en... Attends, quoi? Tous les cœurs, uniques et universels. Le cœur du royaume, Kingdom Hearts. Le cœur ultime recevant les ténèbres infinies. Retournez dans ces ténèbres, annihilatrices de toute lumière. Seuls ces cœurs purs peuvent en ouvrir la porte. Hein? J'ai pas tout compris. Attendez, y a des trucs là. Non, ouais, non, c'est pas ça. C'est stupide. Y'a un truc à faire ici? Non, y'a rien d'autre à faire. On va relire dessus. Y'a un truc que j'ai pas bien fait, c'est pas possible. Y'a un trou. Je sais pas si je dois rentrer dedans. Ah bah. Moi je voulais m'arrêter là en fait. Du coup je vous propose qu'on se laisse là-dessus hein, parce que je sais même pas en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur. Ouais, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en fait. Du coup, comme je l'ai dit, je vous propose qu'on se laisse là-dessus. Alors, ça fait un peu de temps, je suis désolé. Du coup, ben, sur ce, moi je vous invite à partager, commenter, vous abonner et aimer la vidéo. Et la prochaine fois, nous irons battre ce boss. Hein, je suis désolé.